Bonjour Rémi, merci d'avoir accepté notre invitation dans la maison des maternelles. Bonjour vous êtes le père de trois enfants, Anton qui a 9 ans, Alma 7 ans, Vadim 2 ans et demi et votre fils Anton, il est atteint d'une maladie génétique rare, c'est le syndrome de Pierre Robin, il est atteint aussi de troubles autistiques, il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises et alors vous pour dédramatiser ces longs séjours à l'hôpital et puis aussi je pense, mais vous allez peut-être me le confirmer, pour créer le lien, pour, pour l'ouvrir à d'autres choses. Vous avez inventé des histoires fantastiques que vous publiez aujourd'hui dans une saga en quatre volumes qui s'appelle Corba et c'est aux éditions Les Arènes. Alors, d'ores et déjà, je vous recommande de vous procurer ces bouquins. mon mari les lit à mes enfants tous les soirs. Et c'est un moment, un rituel maintenant qui est formidable. Les livres sont vraiment géniaux. Alors pour parler un petit peu de votre histoire, Rémi, vous avez rencontré la mère de vos enfants, Anne-Claire, le jour de vos 20 ans. Et puis quelques années plus tard, vous avez décidé de faire un bébé. Mais Anne-Claire, elle souffre d'endométriose. Vous avez fait plusieurs opérations. Vous avez fait des fives. Rien ne fonctionne. Les médecins finissent par vous dire que vous n'aurez pas d'enfant. Donc c'est quand même très très dur à entendre. Et contre toute attente, deux ans et demi plus tard, Anne-Claire tombe enceinte naturellement comment est-ce que vous avez déjà vécu cette grossesse inespérée bah à la fois hyper heureux hyper excité euh, c'était miraculeux parce que c'est vrai qu'on s'était battu depuis quelques années pour essayer de' pour tombe 'enceinte et puis bon ça, ça nous tombait dessus comme ça comme un cadeau un peu inattendu inespéré quoi et, et puis euh, avec beaucoup de prudence aussi parce qu'on savait que c'était une grossesse une grossesse précieuse dans mmh. ce cas-là, donc euh, j'avais toujours un peu peur de. On avait un peu peur de tout quand on allait faire les échographies. J'imagine comme tous les parents, hein, pas, pas plus que les autres, mais on était suspendu au regard, aux, aux mimiques des, 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 des médecins. Quoi. On attendait le, le, on interprétait le silence, <laughs> quoi. les quelques secondes de silence. On dit y a un truc qui ne va voilà, pas. Il pas vécu nous le dire. Ça. Voilà. Bon. Et, et rien n'a été décelé aux échographies. Rien du tout, du tout, euh, du tout jusqu'à la naissance. Alors comment vous a annoncé justement qu'Anton souffrait de, de ce syndrome de Pierre Robin Alors on nous l'a pas annoncé. On, tout est allé très vite. Euh, Anne-Claire a accouché, et euh, il y a eu un cri euh, symptomatique, on va dire, enfin, caractéristique de cette maladie-là, qui est très aiguë. Euh, mais que vous, charme, vous n'avez pas que, du tout. Que nous, tout, on n'avait pas du tout en accoucher. tête, hein, bien sûr. Et euh, Anton est parti, en fait, très vite. On nous l'a laissé quelques secondes, histoire de, mais, mais il est parti très, très vite, en fait, parce que c'est des enfants. Pierre-Robin, il y a plusieurs degrés de gravité, hein. Mais c'est des enfants qui parfois, souvent, ont des difficultés à respirer même. Donc mmh. ça se joue dans les premières secondes. Donc il ne faut vraiment pas ça. se rater dans les premières secondes. Alors on vous a annoncé, euh, enfin, vraiment on vous a donné le diagnostic, ça a dû être terrible. Comment vous l'avez vécu bah ouais, on a attendu d'abord parce qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait, on avait compris qu'il y avait un truc, mais on ne savait pas quoi. Euh, et puis au bout de quelques heures, quelqu'un est venu nous expliquer ce que c'était, que c'était très ouvert, les possibilités de Pierre Robin, que ça pouvait être plus ou moins sérieux, plus ou moins grave. Alors c'est quoi en fait Quels oui. sont les symptômes oui. Ça se caractérise par trois choses. Euh, Pierre Robin en soi, c'est euh, une fente palatine, donc le palais qui est fendu, mm -hmm. la langue qui est, en, qui est molle et qui est en arrière, et le menton en retrait. Ça, c'est les trois signes cliniques de, de, de Pierre Robin. Et après Soit euh, on en reste là, et donc on, appelle, on parle de pierre-robin isolé, euh, donc modulo quelques opérations, euh, de l'orthophonie, etc. Au fil des années, ça se, euh, tout va bien. Soit euh, ce n'est que la partie visible de troubles plus, plus graves, en fait. On parle de pierre-robin associé, c'est la moitié des cas à peu près. Et dans ce cas-là, alors c'est un peu la, la, la boîte euh, ou le champ des possibles bêtiments, qui s'ouvre. C'est souvent associé à des maladies assez graves, mmh. de, type trisomie ou syndrome de, de Stickler, qui est un syndrome du, du collagène dé, dégénérescent. Voilà. Alors, Anthony a dû rester hospitalisé sept semaines, puis vous êtes enfin rentré à la maison. Est-ce que le retour à la maison vous a fait un petit peu. Oublier la maladie, enfin passer un peu le choc. Alors oui et non. D'abord c'est très dur de rentrer à la maison au bout de quelques jours, nous, enfin moi en l'occurrence, sans, sans l'enfant. C'est quelque chose auquel ah, on oui. ne s'est pas préparé du tout parce qu'encore une fois on, on découvre les choses à l'accouchement. Donc c'est vrai qu'on, je pense que pour tout parent qui rentre sans son enfant dans la chambre qui est décorée, qui est, enfin tout est préparé entre guillemets, c'est un et peu. Horrible. Premier enfant en plus donc ça. Et après en fait on rentre avec lui, mais lui il a une sonde parce qu'il ne peut pas se nourrir. Les enfants comme Pierre Robin n'ont pas le réflexe de succion d'églutition. Donc, en fait, ils ne savent pas prendre ni le sein ni le biberon. Donc, ils sont nourris par une sonde, la plupart du temps, une sonde nasogastrique, qui est un petit tuyau dans le nez. Mmh. Et ce tuyau, il faut que les parents sachent le, le, le poser et, et, et s'en servir. Donc, vous avez été formé. Euh, ouais, exactement. À tout faire, à fait. Ouais. On a été formés à l'hôpital à le faire, tous les deux. Et, et après, c'est branché à une pompe qui envoie le lait. Euh, on, la, on la programme, entre guillemets. Et cette pompe envoie le lait directement dans l'estomac du. Petit avec toutes ces contraintes, avec ce choc, avec euh, ouais, j'imagine ouais, forcément vous n'alliez pas bien, c'est normal. Euh, Est-ce que vous avez quand même réussi à créer un lien? Avec Anton. Oui, ouais, ce, ce qui était dur, alors oui, évidemment, et puis on l'aimait plus que tout, c'est notre petit miracle, hein, donc on s'était battu et puis <laughs> c'était pas fini. Quoi. Mais, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu plus dur d'interagir, de, de jouer avec lui, parce que c'est des enfants qui sont euh, en fait euh, un peu pas prostrés, mais un peu en, dans la retenue, parce qu'ils sont. En nourris. protection, un peu. Ouais, ouais. 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 d'abord ils sont attachés, ils ont cette sonde en permanence qui, ouais. est, qui, est, qui est scotchée à la joue, euh, qu'on euh, qu fixe à la machine au moment des repas. Euh, et puis c'est des enfants du coup qui ne comme il ne porte rien à la bouche, la découverte du monde pour les enfants, enfin je ne suis pas médecin, mais la, la, la découverte du monde se fait par le, le fait de porter les choses à la bouche, de goûter, Du premier etc. sens, oui. Oui, voilà. Et, et, et les enfants de Pierre-Romain n'ont pas ce réflexe de, de, de se nourrir, entre guillemets, donc ils, ils ne découvrent pas les choses de cette façon-là, donc ils ne vont pas porter les choses à leur bouche et tout. Donc il, il était assez passif, Anton, en fin de compte. Mmh. Voilà. Donc c'était quand même difficile, mais vous arriviez à, à capter des regards Oui, euh... oui, ouais, bien, mmh. bien sûr. bien sûr. Alors à 10 mois, il a dû se faire opérer. Euh, comment est-ce que vous l'avez préparé à son séjour à l'hôpital et puis euh, vous aussi, comment est-ce que vous avez vécu ça Ouais, bah dis-moi c'est petit et à la fois, enfin à la fois c'est très petit, et à la fois euh, je pense que c'est important que les choses soient pas dramatisées, etc. Mmh. Donc euh, on l'a emmené, on était très contents qu'il soit opéré hein, parce que c'était le, le, le entre, entre guillemets on était délivré de cette sonde et il allait pouvoir passer à la cuillère, mmh. avoir le palais fermé, hein, le, le visage un peu refait, le bas du visage un petit peu refait pour que tout aille bien, la langue, etc. Donc c'est une grosse grosse opération qui a duré plus de cinq heures et, euh, et du coup le, il est resté ensuite quelques temps à l'hôpital. Et là, on a, on a commencé à s'inventer un petit monde. Donc, alors, il était petit. Hein, donc, au départ, un, il y avait un tableau euh, Véleda sur lequel les, les, les médecins communiquent entre eux, en fait, mmh. qui n'est pas destiné tellement aux parents. Et moi, j'ai pris les feutres et j'ai commencé à faire des dessins. Et tous les jours, on faisait le dessin du jour.